Oups, oui, c'est bien moi, Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 31. Comment allez-vous, les amis? Aujourd'hui, mercredi 12 mai 2021, je fais le tour de mes Slave One. Il s'agit du fameux vaisseau spatial que pilote le légendaire chasseur de primes, Boba Fett. Mais avant lui, Jango Fett. Car j'espère si j'ai le temps de faire une vidéo pour une comparaison des versions standard et big. Le Slave One est mon vaisseau spatial préféré, tout comme son pilote dont je porte assez fièrement son casque. Mais trêve de bavardage, il est temps à présent de vous montrer ce que j'ai reçu. Et voilà, j'immortalise ce nouvel arrivage. Je commence par cette petite pochette contenant deux magazines en promotion. Mais celui qui m'intéresse se trouve au verso. Et de plus, avec Jango Fett en couverture. Voici les deux magazines. Mais je tiens à préciser que je ne le déballerai pas pour le moment. Cependant, je vais regarder ce qu'il contient. C'est le magazine numéro 1 intitulé Galaxy Star Wars avec Jango Fett en couverture et en cadeau une pochette à bâton Star Wars et l'arbalète à ses couleurs. Deux posters sont inclus, un dossier sur Jango Fett avec les 10 plus grands chasseurs de primes, un dossier sur le TIE Silencer de Kylo Ren, 14 pages de bande dessinée et 8 pages de jeu. La description se fait également au verso. Je termine par ce petit colis provenant du pays du soleil levant, le Japon. Par contre, le suremballage a subi un carton. Bref, j'espère pas pour son contenu. Alors, que contient-il? Wow! Avez-vous deviné? Exactement, il s'agit de la figurine de Goldorak en version Beer Brick par Medicom Toy en 400%, soit 28 cm. Et juste derrière, la version collector tout en métal de 200%, soit 14 cm. Un petit tour de la box. Allez, je déballe ce joujou collector. Cette figurine Beer Brick est sympathique et magnifique. Les figurines Beer Brick ne sont disponibles que pour le Japon. Contrairement à la version 200% qui est en métal, la version 400% est en plastique, tout comme la version 100% d'Actarus. A noter que la production des 200% s'est arrêtée et Medicom Toy s'accentue sur les 100%, 400% voire davantage. Donc si vous croisez en rayon d'une boutique un personnage de manga en version Beer Brick de 200%, n'hésitez pas. Un petit zoom de ce joujou. Les articulations sont crantées, c'est excellent. Je
je suis super content de l'avoir dans ma collection. Le récapitulatif de cet arrivage du jour avec le magazine Galaxy Star Wars numéro 1 et la figurine 400%, soit 28 cm de Goldrack par Medicom Toy. Les amis, n'oubliez pas de participer gratuitement à mon jeu qui a débuté ce samedi 8 mai 2021. Vous pourrez gagner une figurine de ma collection. Et voilà, se termine cette vidéo hors série Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis d'aller la voir. Allez, nana !